Bonjour Manamboka, bonjour na baignon so bazali ko landa biso na Congo Live. Bisika nyonso o bino bozali, bo s'abonner massivement. Bo continuer toujours d'en faire biso confiance tenge bo sala ka vous ne serez pas déçus. Mboka ya Congo ezali ko tambola malamu parce que vous serez d'accord avec moi. À un moment donné peuple congolais nyo kwa makipo na Olia Thompson. Et aujourd'hui, au Tosali Koloba, déjà au moins premier lot, ou soit premier temps, il y a surgelé, ils allaient commander par le gouvernement de la République démocratique du Congo pour satisfaire le peuple congolais. Et c'est comme qui n'a pas Yamatadi. Donc, je crois d'ici semaine prochaine, Bilo Kwane Kosala déjà mis en vente au peuple Rabanda Okindeko Somba pour relier Malam. Donc, j'aimerais vous dire que. Il y a des bonnes nouvelles en République démocratique du Congo. Non, wana ezali d'abord le cambo ya culture, na lingito comprendre malam. Omoni na Kinshasa mingi sur 100% ya population kinoise. Au moins 5% de ba mesana kolia ba poisson doux. Vous voyez un peu. Donc au moins na bangonde ba okende ko somba ba mbisi ya mai ba lié mais 95% de la population congolaise ba mesana vraiment na biloko wana te parce que d'ailleurs que non Kinshasa ezali je dirais centre moko topé ville moko multiculturel ba outi na ba différentes provinces de te kokutana awa na la capitale. Donc ndezo ça la que na kin Okochambi sama itam sumbi sama yoko kotulayo mais so roche Thompson omona ke no mutunya so linga somba Thompson asomba mbolongo mutunya so linga somba cuisse de poulet mutunya so arolinga asomba mipanzi donc yango wana oloko ezali ba produit moko a première nécessité le gouvernement a préféré qui quand même à mettre d'abord peuple naye en abri bien que tozana ba mai oyo toyi ko somba mbisi belé bien sûr. Mais il faut que nous avons tous la capacité de faire la pêche industrielle. Pourquoi? Parce que le gouvernement et le cas, le gouvernement et le cas, et ce qui est mettre en disposition la biseau de. Alors, vu le temps où le est commis, on a beaucoup de choses à faire. On essaye au moins de faire mieux. Il y a eu déjà quelques bateaux achetés, mais on doit mettre ces bateaux dans de très bonnes conditions pour recruter les pêcheurs et surtout que. Nous avons exploité la mise de la mise de la lac de la mise. Donc, nous avons fait la pêche en base à la forme la technique de la mise, je dirais, d'une manière industrielle. Voilà ce que je pouvais dire. Quand il y a la mise, il y a un mais peuple fois mais ça n'a pas déjà relié à Mbisi ama et sinon tu trouves tu sombi en belé ba pêcher en plutôt belé ba ba tiango sur le marché momo na mtaké na marché parce que non on a relié à Thompson ce Thompson ezaté na relié et les gens vont continuer toujours à crier donc il va nous aucun de petit à petit soit tu comme na quantité moko industriel na pêche moko industrialisé plutôt tu recommandes à niveau aéroté ka yango libanda monda mboy ko yoké de libanda pour na bateau nga relié à poisson doux. Oui, au tir en akati, mais pour n'avoir aucun gapolé en akati, il retire cala en akati. Mais Thompson, c'est un peu difficile pour n'avoir longu en balamoro pour na bané bélé babotama bakola kara na Thompson. Non, ce n'est pas seulement pour la ville province de Kinshasa. Non, ezali pour la ville province de Kinshasa, c'est pour le Congo en général. Vous comprenez, c'est pour le Congo en général. Ba routine d'ayango surtout dans la grande ville où ba consomme beaucoup plus ba surgelé na biso lokola ba Thompson, lokola ba cuisse de poulet. Hein, loko la ba mipanzi mais soko ke na ba province mususu bazala nango posa te baliera na bonnet ba mbisa mai bon net na bisuko ba mesana to le ba mbisa mai ko leto ba nyama zamba ça ne vaut pas la peine ya ko mema yango donc le gouvernement a sa sala ki ba étude na ye
ya koluka ba ville nini ba province nini ba coin nini oyo ba liara beaucoup plus c'est surgelé ya ngonde ba koyeba na kotinda non écoutez d'abord ezali dossier oyo pesanga kanda makasi pourquoi parce que nous sommes parmi les gens là oyo basalaka ba marche pona bakanga wili bakonga pona ba détournement ya salaki wana et à part ça wili bakonga avait voulu saper la gratuité de l'enseignement vous serez d'accord avec moi na ba émission na salaka na sengaka que bazongisa 7e na 8e ezonga premier na 2e CO donc cycle d'orientation na sengaka yango pambate parce que na monaki ezalai comme mabiso na ba confusion ya makasi et aujourd'hui cette confusion a été décantée par le ministre Tony Mwaba qui a reconnu selon la constitution que classe il y a 7e na 8e ils allaient déjà dans secondaire donc ils bénéficient de la gratuité de l'enseignement. C'était une façon de surcharger naba effectif pour que le gouvernement ya Fati a comme on a difficulté à foutre ba enseignant ba mouvement ya ba grève et banda ko salama comme toujours. Alors na lingina préciser le comment que Willy Bakonga n'a pas bénéficié de la grâce présidentielle comme ce fut le cas il y a Moïse Katumbi banani l'autre là Franck Diongo et consorts. Non, les autres là tellement qu'ils ont été je dirais des opposants farouches n'est-ce pas bon entre guillemets des opposants farouches il y a Joseph Kabila Nabanko Obasala qui bango quand le président Félix Tshisekedi est arrivé il les a graciés. Na grâce présidentielle na ye, il y avait les noms. Il y a Moïse Katumbi et aussi il y a Franck Diongo. Mais logiquement tant que grâce présidentielle est salamaka et dépendra kaka na komba ya mututé ezara na ba critères, il y a des critères na grâce présidentielle. Critères wana roi ko va peut-être muto a essayé à purger peine na ye. Je dirais le 3 quarts il y a peine na ye a koki Kobima par rapport à infraction boye par rapport à infraction boye ndenge ba déterminant. Alors na o etali Willy Bakonga l'ordonnance là n'avait pas cité le nom des gens mais l'ordonnance n'avait que poser des critères qu'on a quatre ba critérios mwanande mayu yebeta mina kati donc jusque là tozo lukate ba parce que le directeur ya prison est sanctionné. Et à part que ça l'a sanctionné, il est déjà en justice. Mais tout le monde. Oui, directeur à prison, on a sanctionné. Pourquoi? Parce que. Yepona. Abimisa Moutouloko la Willy Bakonga. Il fallait qu'il y ait mon an, na kata liste, on a commis combo ya Willy Bakonga. Parce que le chef de l'État, on a sali grâce présidentielle, na ye. Ye a komara komboté, y a komi kak. Maintenant, le ministère, il y a justice. En complicité, na ba parquet, ne ba koye la ba dossier, na ba agent à prison, donc directeur responsable à la prison, ne ba koye la esko ba combo ya batu oyo, ba si ba purger peine, mais ba zali ko répondre, voilà, na ba critère oyo zali na kati ya grâce présidentielle. Or, Willy Bakonga ne pouvait jamais bénéficier de cette grâce présidentielle, donc ba profiter na yango, on se demande si l'argent a circulé. Bah profiter na ngonde aller bah les musulmans na maï mon na tamboli et quand le ministre la ministre de la justice a eu quoi apprendre ngo ndé alobi non Willy Bakonga doit être arrêté et retourné à la prison parce que libération na ye ezali irrégulière quand on parle de l'irrégularité c'est-à-dire ça n'a pas respecté le principe donc ye azala kité na kati ya bato il fallait qu'il bazala libéré. C'est ça le problème. Willy Bakonga, pour l'instant, c'est un évadé. Donc, si tout le monde est en train de se faire, il est en train de se faire. Non, écoutez, mon cher frère. Je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Je suis en train de so Willy Bakonga kuta na lidusi okima akimi na ndo bakeno justice esa musalate non te na lingina lo baboy non peut-être y a profité na faiblesse tant sous ya directeur ya prison
à quoi c'est un souk non oya na osuba ah niamuki na etalawana mwana ikanga mutala ndam parasa na makolo donc aniamuki na e tamsa niamuki donc kokima un prisonnier cela ne veut pas dire que non il n'y a pas la présence de la justice dans un pays non parce que s'il n'y avait pas la justice rebondissement linga esa la maté il y a eu rebondissement yango peut-être la minute ça dit comment on a ta kimi donc ngana lingina ebisa na batu que Willy Bakonga a saleli peut-être Kimayele naye, a saleli peut-être courage naye, peut-être qu'il a aussi à négocier na Batumoro boye quelque part là parce que c'est le directeur il y a prison à Minitio, de mutazali ko sibi, cela veut dire que il connaît quelque chose. Il a quitté définitivement, vous comprenez. Les dossiers à Matata Mponyo, incompétence déclarée à la Cour constitutionnelle, n'était qu'une forme de procédure. Donc c'est ça la procédure. Ndenge ça la magana yango. Batunyo sonakata mboka na biso mutuna mutazala kana privilège ya juridiction na en cas de poursuite. Ba ministre bazana juridiction na bango, président de la République, premier ministre bazana juridiction na bango, le député et sénateur yo nangape tozali na ba privilège. Tout dans la juridiction na biso en cas de poursuite. Alors, il y a eu le cas dans la Cour constitutionnelle, ba déclara qui Cour constitutionnelle incompétente pour na ko sambisa le sénateur Matata Mponyo. Mais cela ne veut pas dire que dossier na ye. Na lobi, non, premier ministre honoraire, chose qui n'est pas reprise dans la constitution. Vous comprenez un peu? Et na lo bakango la fois passée, il y a un problème, il y a délai à prescription. Si Matata Mponyo a été accusé pendant qu'il était encore Premier ministre, il allait bénéficier de ses immunités, mais à la fin, l'immunité n'a pas été sambisaye en tant que ministre parce que cette fois-là, Azala qui accusé tout en étant dans l'exercice de ses fonctions. Mais Awa a été accusé pour un dossier pendant qu'il était ministre, mais il a fondamenté à l'époque pendant qu'il Azali sénateur. Vous voyez? Alors, na unicité au Ezalaka dans le ministère public, le procureur près la Cour constitutionnelle a qu'il transférer dossier ana et pas y a le procureur général près la Cour de cassation pour na bazwa mon amboka matata mponyo basambisaye. Ngai le réseau kamisanga ezani. Lorsque la Cour constitutionnelle a se déclaré incompétente pour na dossier matata mponyo a CP là qui a tweeté après ça, vraiment, il y a l'état de droit dans ce pays. Mais les lois ont autant au cours de cassation comme il a récupéré. Matata Mponyo a commis le bon nom. Je suis devenu le prisonnier politique. Je suis devenu prisonnier politique dans mon propre pays. Non. Donc, tout le monde a raté que ceux qui ont justice à s'attaquer, ils ont été contre eux. Non. Mais ceux qui ont justice à s'attaquer, ils ont été au salamabé. Pour nous salimabe, quel que soit rang nayo, Rosalaka a toujours frappé par la justice. Plusieurs personnes, plusieurs complices, plusieurs pays. Oh, d'abord, tout ça, na bango, partager na bango, ba même frontière. Rwanda, Burundi, Ouganda. Ce n'est pas d'aller quoi impliquer, bango, d'aller quoi impliquer, bango, na ndengenin. Ba ADF mususu bomo na bango, ah, ba zali na kati ya Congo. Et zali bato, ba salaka, ba rébellion na bango na Ouganda, ba kimi.
baye kofanda na kati ya Congo ndenge moko pe tango muza kotaka ya ve de hutu o bakima ka Paul Kagame bayaka kofanda na est na biso mususu kutu o ngai moko na mona bango na Congo Brazzaville ya même de hutu le Rwandais na Congo Brazzaville alors je m'excuse ba ADF wana mususu o ba uta na Rwanda batu ya yini ya force patriotique wana ya FDLR mususu oyo bawuta na nzela ya Burundi baye bafandi na kati ya mboka na biso bakomi ko créer ba poche de résistance et tellement que bazalaki vraiment contrôlé te na époque wana oyo ya ba Joseph Kabila et consort ils ont commencé à faire la loi baboti na bana na biso ya basi bakomi ko kidnapper ko sala nyonso ba bandai ko sala wana jusqu'à ce que bakomi ko zoba financement extérieur pour créer l'insécurité pérenniser l'insécurité pour na ba multinationaux wana ba profitaka na ba minere na biso ba kendaka na yango libanda alors comme il y avait aussi la complicité cette fois là na ba régime o ezala ki awa nde bakomi ko tika bango donc bakoma ki on dirait ba mouvement moro boy o bakoi ko créer insécurité pour nous sécuriser le régime passé. Lelo oy pour na batu basali komitu na koloba que armée ougandaise ndenge nini ko ikoya ko appuyer biso. Non, cela n'est pas interdit. Cela n'est pas interdit ya komona une armée quelconque na kati ya pays au derrière tous ali ko partager na bango ba même ligne de frontière ba ya en appui et pas le gouvernement Oyo Ezali en place le gouvernement légitime et légal. Dernièrement, awa na Uganda ba explosé outaye ko salama. Ba tubaku faki. Et ye moko pe Museveni yebi déjà que ceux qui batiki na ba frontière na bango, ba to ba ADF ba kokota ba ko créer ka pe insécurité pa na bango. C'est ainsi que le président de la République, donc le deux gouvernements tant que vous avez dernièrement, vous avez été solo. Vous avez na cadre de la sécurité de frontière. L'armée ougandaise a été le long de la frontière. L'armée ougandaise a été contactée, bisika na biso, ni na Ituri, ni na Beni. A été le long de la frontière pour empêcher les rebelles de se faire en sécurité. Parce que vous avez été en sécurité, après un moment donné, bazongi lisusu. Dès cette fois-ci, on s'est décidé de mettre bango en tenaille. Biso tozana ba frontière na biso, donc nangambu na biso tozali ko beta et bango pe kuna Uganda bazali ko beta, to mettre bango en tenaille moyen bakima ezate débandade totale. Non, écoutez. Mon frère, na lingina lobano eloko moko loko la politique est scientifique. Non, et dali côté ka secret armé té d'ailleurs. Il faut ebango ki armé na biso banda ki ezala infiltrer na ndemo yo saranaté. Si nous avons réussi quelque part dans Makamsu, c'est parce que certaines armées là, il y a beaucoup quand on est Msusu, bah fongé la biso ba carte ya Makambebele, je ne peux pas tout dire ici. Mais na lingina ebisa na batu boy. C'est vrai que nous avons eu des antécédents avec le Rwanda, Ouganda, Burundi peu aussi. Surtout Rwanda na Ouganda, bah déranger biso makasi, bah bunana ba guerre na banga ba 6 jours na ici rokuna province orientale, batu badaya, c'est bien bon. Tu as dit que dans 93, 94, 95, 96, 97, style et l'eau, ces gens-là nous ont malmenés, les Congolais, les Koufa et Bélé, c'est vrai. Mais attention, il y a un aspect au Bissot Tokoki, Kobo Sanagate. Et ça lit l'aspect diplomatique. Parce que le lot, si le chef de l'État, ou soit le chef de l'État, Nyon Sowana, au lobby, la population na bango bandai ko vivre na peur bandai ko vivre na mo ba rancœur na kati na bango par rapport ya makambo oyo et c'est pas ça soit qui va se mettre d'accord te chaque année ou après quelques années il y aura toujours des guerres il y aura toujours des conflits or nous sommes obligés ya ko vivre ensemble parce que Dieu nous a placés en Afrique
Dieu a mettre na mpanzi na biso Rwanda, Uganda, Burundi. Donc toki tato mata. Tozata na pouvoir moroté a ko effacer bango na carte ya carte d'Afrique. Tozana pouvoir moroté a ko longola Rwanda na sima na biso to bwaka yango. Donc ego tika la kaka bango ti mkolo yesa ko ya. Yango moni le président Félix Tshisekedi. Soga tanga na zalagi na esika na ye, j'allais toujours raisonner comme ça. On peut aller affronter aujourd'hui le Rwanda te bon le kola ba biso ebele. Biso peto jo armé na biso toke ndoko boma bango. Oui. Tobomi bango. Mais est-ce que après 100 ans ba présent au baroya kakawana, est-ce que seront toujours forts? Plus que point d'interrogation. Il y a eu des moments oyo le Zaïre ils allaient supérieur du kola ba armée belé na kati Afrique centrale. Mais après quelques temps et bascula qui le Zaïre n'a pas été aussi meilleur que les autres armées. Ndai ko sala ba armée ba Rwanda, ba Uganda, ba Burundi ba ko attaquer biso. Donc ceux biso to lingi ka que non RDC il faut attaquer Rwanda. RDC il faut attaquer Burundi. C'est bien bon pour aujourd'hui mais pas pour demain parce que bango pe ko ko ascendant sur lobby. Bango pe tam ko sala coalition lobby. Yango le chef de l'État en tant que politicien avéré adoke na bango sur l'option diplomatique. Donc on doit négocier s'il faudrait peut-être commettre fin na ba animosité za la carte na biso to mettre fin là pour na biso nyonso to e bana ko vivre malamu na do peso exemple c'est vrai ba rwandais ba boma biso je ne dis pas que nous sommes moindres non ba rwandais ba boma biso ça nous le connaissons moliko bisanga que bombe o ya Hiroshima betama na Japon. Bombe ya Hiroshima betama na Japon. Qui pouvait croire que les Japonais pouvaient s'arranger avec les États-Unis? Et le Lopé va comme une coopération bilatérale. Donc, au fil du temps, on est toujours obligé à cause de ensemble. Et bah des ordres Oyo, Ouganda, Salaka, na Est Kuna, au Bundara na Rwanda guerre à 6 jours. Vous serez d'accord avec moi que dossier on a et qu'on est déjà une instance internationale. Et bah obligé, il faut pas foutre à biso au moins 4 milliards de dollars. Donc c'est déjà quelque chose. Na procédure wana nde makambo esalamaka to lingi mboka na biso oya lobby avec nos pays voisins to vivre en paix. Donc ce qui stabilité continue na kati Afrique centrale, stabilité wana e rejoa Afrique mobimba pe monde e kozala en paix. Non, écoutez. Ma confession religieuse tant ou ba sangana ki bango moko biso to tindaka bango te de izalaka bango moko lokola ba église ba sangani ba lobi non lokola constitution et pesa biso confiance ya représenter mutu moko na biso confession religieuse as a la candidat président oyo akokumba seni pona ba élection sala mamalam ba kei ba sala o ba kokai ko sala. Mais le col abayokanité, la loi de la majorité a primé. La minorité sévit peut-être, hein, sévit peut-être, je dirais, minimisée ou soit méprisée. Yango lelo, basu décision en kolbakeno, de se retirer nabiso na kati ba confession religieuse. Bon, wana ezali vraiment problème nabiso te. Ezali problème yabango moko banganganzambe. Mais biso tout ce que nous connaissons, en 2023, nous attendons les élections. Na likambo oyo ye etali opposition. D'ailleurs, ye azalaka na opposition te. Na lingi na informé yo que Martin Fayulu azalaka na opposition te. Ye moko aloba yango azalaka résistant. Oh, na kati ya République démocratique du Congo. Notre État ne reconnaît que des franges en politique. Nous avons la première frange au Ezali, parti au pouvoir, au Basali, groupe Nabango, mouvance présidentielle, topé majorité présidentielle. Et puis, tout ça, il y a des blocs, Oyo, deuxième bloc plutôt, ou deuxième frange au Ezali, il y a opposition. Comprenez? Quelle que soit la couleur Nabango, mais ils sont de l'opposition. Mais Awasiko Martin Fayulu,
Azako se déclarer n'est pas être opposant mais être résistant. Ya ngwana nga nazali koloba na bato bazali kolanda nga lelo pe na msina Martin Fayulu. Si arrivé que course il y a désignation, il y a porte-parole, il y a opposition et bandit. Il y a une candidature parce que toi tu n'es pas opposant. Ce qui est une candidature, je suis un peu plus de temps. Parce que yo moko ti lolo zali ko se réclamer que ozalaka opposant et ozali résistant. Donc pour l'instant nous pouvons dire que l'opposant c'est Kabila parce que même Shadar aloba il pas résistant. Donc muto to ko ndima statut opposition te recoller statut opposition. Muto akobo yana eto kangi na makase parce que on est en démocratie. Donc Martin Fayulu n'est pas un opposant mais c'est un résistant. Yango monaka besho la benga bango ba extrémiste. Dernier mot à Moïse Katumbi pour Nanga et Zaïbi Sabisora qui n'a pas longue union sacrée. Donc, il faut longue union sacrée. Nous avons senti que non, Moïse Katumbi, c'est un bon politicien. Jusqu'à la preuve du contraire, Moïse Katumbi reste un hypocrite, une chauve-souris. Parce qu'il n'a pas de couleur. Ce gars a raison à prendre un colbaké, non, il résiste et il demeure dans l'Union sacrée. Et Zalipon a libandé Sika Kendagi Makambounaye et Simbite. Donc il doit avoir le courage. Et d'ailleurs, moi je demanderai aux dirigeants de l'Union sacrée, il faut chasser Moïse Katumbi. Il faut chasser Moïse Katumbi à Kende, ami fan de la Yamoko, tellement que c'est un hypocrite. C'est une chauve-souris, ami fan de la. Moutignon, ça déjà que non, Moïse Katumbi a zalaraté. Il y a risque, ce qui est au tikié, à ça l'assemblée à Rosalana Bissot, mais la dernière minute, avant les élections, il peut toujours changer parce que Azali chauve-souris, il sait facilement s'adapter ou s'accommoder en n'importe quelle circonstance. Voilà. Et voilà, je suis un peu si beauté na maman Irène Keleko, maman Irène Keleko, kuna na kolwezi, na pesi mbote bele, na pesi mbote na maman Chantal Masengu, na pesi mbote na prof Kazadi Mukuna, na pesi mbote na Cyril Assolwa, na pesi mbote na papa Mukuna, na pesi mbote et joyeux anniversaire na Yvle Kalombo, pourquoi pas, na pesi mbote pa ya sadato, na mska na bakongole nyonso, toza la vraiment na bamoko to lingambo kanabiso, to bunda to sambela nzambe pour na ba adef nyoso basila plus 243 89 457 33 88 plus 243 989 703 à la fin wana ezali juste ba numéro de contact nanga du reste na souhaité ba tout nyoso heureuse année 2022 ezala heureuse pour tout le monde et surtout pour na ba o balinga Congo et kende liboso Congo ezala malade. Mais na batunyo so o balinga Congo ekufa nazali ko saka muto nyo so alinga Congo ekufa avant Congo ekufa yemoko.